tout le monde. Tu dis bonjour mon cœur. Tu dis bonjour, non tu peux pas. Alors aujourd'hui, on est mercredi, il est midi 10. Ce midi avec Eliora, on mange ensemble et on mange la même chose. Ce sont des pâtes avec du poulet et de la crème avec un peu de fond de volaille tout simplement. Sauf que bébé Ellie, elle ne veut pas manger, elle veut faire que des bêtises. Donc je vais voir si moi je commence à manger, si elle me suit, si elle fait pareil ou pas. Ne faites pas attention à ma tête. La nuit a été compliquée avec bébé Ellie, je me suis couchée très tard, elle s'est réveillée plusieurs fois. On va manger donc tranquillement et on vous dit à tout à l'heure. Bye bye. Coucou. Alors maintenant il est 13h et là il y a une de mes abonnées en fait qui m'a commandé un coussin qui va arriver en bas de la maison pour que je le remette en main propre. Donc voilà, je pense que je vais vlogger pour voir un petit peu sa tête. Je sais pas si elle voudra, donc faudra que je lui demande. Mais voilà, on va voir si elle est contente et tout et tout. Donc on va descendre. Tu veux passer dans le plat? Pourquoi pas. Et voilà. Donc t'es venue chercher ton petit coussin. Elle est là. Elle est là. Toujours je m'inquiète. Donc je vais vous laisser, je vais tout lui montrer. Et voilà, bisous. Alors ça y est, donc j'ai remis son coussin à mon abonnée, elle était trop contente, elle vous a fait un petit coucou, donc ça c'est chouette. Et je viens de recevoir de chez KidsMe le Food Feeder Plus. C'est l'agence de presse France Drapeau qui me l'a, Franck Drapeau qui me l'a envoyé, donc merci beaucoup. Et en fait voilà, ça se présente en trois parties, c'est pour faire goûter la nourriture aux enfants. Et moi je voulais vous en parler. Eliora elle mange déjà beaucoup de choses, mais elle est un petit peu dure en ce moment. Donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion de tester ça. Alors en fait c'est comme une tétine avec des petits trous dedans. C'est très très souple. Si j'ai bien compris, vous l'ouvrez, vous mettez la nourriture là, vous refermez et vous donnez à bébé. Donc, j'ai également reçu un colis de chez Octoly, mais c'est les laboratoires Payot en fait qui m'ont envoyé directement le colis et je suis super contente. Faut que je trouve un truc pour l'ouvrir, c'est tout. C'est des produits que je veux tester pour toutes les mamans. Donc c'est vraiment des produits de qualité, des produits Payot. Et là, c'est des produits que je connais pas. Okay. C'est vraiment du full size. C'est vraiment génial. Alors, chère Rebecca, nous vous souhaitons une belle découverte de notre huile de douche relaxante ainsi que de notre brume éclat My Payot. Bien à vous, l'équipe Payot. C'est super sympa. Ça, c'est la première fois qu'une marque me met un petit mot comme ça. Via Octoly, c'est vraiment super sympa. Donc, l'huile de douche relaxante. Donc en fait, je vous prépare une routine cocoon maman, cocooning maman pardon, et je cherche les produits pour cette routine, donc je vais tester ça pour voir si ça peut en faire partie. Mais également My Payot Brume Éclat, c'est une brume vivifiante anti-pollution à l'acide hyaluronique et aux extraits de super fruits. Ça c'est une brume qu'on met en fait avant de se maquiller, même je pense qu'elle peut suffire à elle-même. Et les jours où je ne veux pas me maquiller, simplement mettre cette brume. Procure instantanément une sensation de fraîcheur et de bien-être. Composée de super fruits et d'acide hyaluronique, elle hydrate, réveille l'éclat et protège la peau grâce à un actif anti-pollution. Surtout moi qui vis à Paris, ça va être génial ça. Donc c'est juste à vaporiser sur le visage avant la crème et à tout moment de la journée pour un coup d'éclat immédiat. Super! Donc ça c'est pareil, j'ai super hâte de le tester et ça fera certainement partie d'une prochaine routine parce que je sais que vous aimez les routines. Donc du coup, c'est aussi important de prendre soin de soi quand on est maman. Donc ça va aller certainement, c'est des produits qui vont certainement aller dans la routine cocooning maman. Voilà! Donc nous, on va pas trop tarder. Là je vais préparer un biberon pour Eliora et on va filer à l'événement parce qu'il est déjà 13h20. Et Ellie et il va falloir se bouger. Voilà, tout simplement. Bah, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors, on est arrivé chez Wombé et on va monter. Alors je suis un peu chargée. La boutique est super mignonne.
Et on va monter pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Hop. La boutique est vraiment trop mignonne. On va voir un peu. Oh, il y a plein de trucs. C'est super joli. Ça, c'est super grand. Je vais pouvoir laisser Eliora gambader. Ah ben, il y a une porte bébé. Il y a des mobiles, des petites veilleuses. Il y a un petit bébé. Bonjour. Ça va ? T'as changé de cheveux ? Quoi ? Mais t'as changé la couleur aussi. Trop chouette. Bien rentré, ça fait déjà une heure qu'on est rentré facilement. Et je voulais vous montrer, c'est sympa, Infantino, ils nous ont fait un petit cadeau à nous, les influenceurs, comme on dit. C'est cette petite chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? En fait, c'est une petite lampe. Je sais pas si elle va s'allumer là, voilà. C'est une toute petite lampe que vous pouvez utiliser comme petite veilleuse pour bébé ou je comprends pas pourquoi elle s'éteint pas, mais c'est pas grave. Ou alors, je sais pas si vous allez voir là sur l'image, quand vous allaitez bébé la nuit, pour pas allumer la lumière, vous l'accrochez dans le décolleté, papapa, et ça vous éclaire un petit peu, histoire d'avoir un petit peu de lumière sans forcément allumer la grande pour pas réveiller votre homme, réveiller votre bébé. Peut-être que des fois les bébés ils s'endorment au sein aussi, sauf quand il y a de la lumière, enfin voilà. Et même vous, parce que moi je sais que je m'endormais avec Eliora. Je m'endormais avec Eliora quand je l'allaitais. Quoi ? Elle m'appelle, mais regardez là. Cet enfant. Tu fais coucou ? Coucou ! Oh mon amour ! Et du coup, je vous disais quoi ? Oui, moi, je m'endormais dans le lit avec Ellie parce que mon mari rentre tard, hein, de toute façon, et puis que je l'allaitais. Donc, c'était quand même beaucoup plus simple qu'elle dorme. On faisait un peu de cododo quand même. Faut l'avouer, c'était trop bien. Et c'est fini maintenant, dans le lit, elle veut plus dormir, elle veut que jouer. Donc du coup, ça aurait été pratique parce que moi, du coup, je m'endormais avec elle, mais je me réveillais à cause de la lumière. Je sais pas allaiter dans le noir, moi, je ne sais pas. Ellie, elle s'est vachement amusée avec Méline, qui est la fille de Coco Corail, qui est une petite youtubeuse maman aussi. Voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne, hein, vous tapez Coco Corail, et voilà, et vous arrivez sur sa chaîne. Hein. Tiens, bébé. Tiens, mon amour. C'est bébé Ellie qui vlog. Et là... Qu'est-ce que tu racontes? Tu te marres. C'est drôle, hein? Alors, je vous ai emmené dans la cuisine avec moi pour vous montrer ce que je prépare ce soir. En fait, ça, c'est du pain pré-cuit. Ça, c'est à cuire. C'est des petits pains de chez Carrefour, hein, c'est la marque Carrefour. Petits pains spéciaux pré-cuits aux graines. Donc ça va cuire 8 à 10 minutes à
200-220, donc moi mon four est à 210, c'est parfait. Et je me suis dit que j'allais en fait mettre un filet d'huile d'olive, des tomates, de la courgette, du gruyère et mettre ça au four. Et du coup j'en fais pour Eliora mais aussi pour moi. Donc tout simplement je vais les ouvrir en deux. Ça va pas aller dedans, chérie. C'est pour mettre dans la bouche. Tiens, c'est bon maintenant. Regarde. Ça va. C'est bon. Maintenant, il est 8h35 exactement et je viens de mettre Eliora au lit. Ça a l'air d'aller, elle était quand même vachement énervée, excitée, tout ça. En ce moment, c'est une catastrophe le soir. Elle est vraiment très très excitée, donc c'est un petit peu difficile de la coucher. Bon là, ça a l'air d'aller, je sais pas pour combien de temps. Généralement, quand je dis ça, elle se met à pleurer, donc je vais le dire vite. Ma journée a été franchement super et vraiment bien remplie avec l'événement... l'événement Infantino avec l'agence Rose Bonbon. Merci à tous les deux de m'avoir invité, c'était franchement très sympathique. Ils ont des produits vraiment intéressants. Moi j'ai bien flashé vraiment avec Eliora sur l'espèce de piscine à balles qui est en fait évolutif. Au début c'est un tapis de d'éveil, ensuite ça devient une piscine à balles comme ça, après ça évolue bien. Je voulais vous dire aussi que j'avais bien lu vos commentaires et que toutes celles, vous êtes nombreuses en fait à me demander sur les deux chaînes à faire des vidéos par rapport à la cuisine, que ce soit pour moi ou pour bébé Ellie. Du coup là je vais réfléchir à toute une série de vidéos qui aura pour thème la cuisine bien sûr. Donc je vais voir ça tranquillement pour essayer de voir aussi s'il n'y a pas des produits que je peux découvrir, donc vous faire découvrir par la même occasion. voilà. Et sinon demain je devais aller chez Amac donc qui font des couches lavables et finalement le rendez-vous est reporté à vendredi, donc très bien, demain je vais pouvoir me reposer, emmener Eliora au parc s'il fait beau, enfin voilà. Donc là maintenant je vais vous laisser parce que ça fait 3 minutes et quelques que je vous parle. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.